Aujourd'hui, on va taper biceps épaules tranquillement. Séance que j'ai pas l'habitude de faire. Là, comme je suis en plein move 30, je fais des séances tranquilles. Mais j'ai envie de m'arracher aujourd'hui quand même. Pré-workout, alpha pré-workout plus arginine, si je me trompe pas. J'ai fait un mélange de fou pour avoir une énergie et une congestion incroyable pour ma séance. Hop. Comme j'ai dit, biceps, épaules, on va faire ça bien. Petit échauffement, parce que c'est important. Élévation latérale. Je compte pas mes reps. Juste, je chauffe un peu mes épaules. Là, je me prépare pour le footuess parce que la saison a commencé. Donc, je vais faire ça bien. Mes entraînements vont changer. Je m'entraîne un peu plus dehors, en extérieur, sur des terrains synthétiques, terrains de street workout, courir un peu et m'améliorer pour être dans des conditions qui ressemblent au terrain, pas juste à la salle au chaud, à la salle on est bien. Des conditions où je me sentirai mieux. Il y aura de la difficulté, il y aura du challenge, donc on va s'entraîner dehors tranquillement. Sachant que là, en ce moment, j'ai un gros problème au foot US, c'est que j'ai du mal à me donner à fond, vraiment. J'ai vraiment du mal à me donner à fond, à me faire mal, à aller vite. Je sais pas pourquoi. Et je pense que dans tous les sports, dans tous les sports que j'ai fait, c'est comme ça. Toujours dans les entraînements, hormis la musculation, c'est bizarre, j'ai du mal à me donner à fond. Je me repose sur mes capacités. Et du coup, je suis pas performant. Et les coachs, ils connaissent pas mon potentiel. J'ai toujours été habitué à faire des sports où les coachs étaient habitués à moi, habitués à mon potentiel. Du coup, ils me faisaient confiance. Et là, je pratique un sport où les coachs ne me connaissent pas. Donc, ils pensent que je suis faible, tu vois, malheureusement. Et ça m'énerve un peu, mais c'est de ma faute aussi. Parce que je me donne pas à fond. Je montre pas que j'ai envie. Je montre pas que j'en veux. Et c'est un problème qu'on va corriger, ça. Vraiment. Faut que je me donne à fond. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne de base normalement dans les phases d'entraînement et qui donne tout pour les matchs, les compétitions ou les jours J, tu vois. Là, je donne tout. Je suis quelqu'un qui est très bon en match. Mais malheureusement, pour jouer les matchs, il faut être bon à l'entraînement, tu vois. Donc, il faut que tu me donnes à fond. Après, je te cache pas, il y a le move 30 aussi. Le fait de m'entraîner tous les jours, j'ai pas de repos, tu vois. Ça me fatigue. Du coup, je peux pas bien me donner à fond. Mais c'est pas une excuse parce que dans les entraînements que je fais, je sais que je peux me donner à fond. Je sais que je peux courir plus vite. Je sais que je peux faire plus, tu vois. Donc, il faut que je travaille sur ça. Il faut que je travaille sur le fait de me donner à fond, tu vois, vraiment, pour les entraînements, à courir à 100%, à me donner à 100%. Parce que le problème, c'est que je me donne à 70-80% à chaque fois, mais jamais à 100%. Et ça serait bien de le faire. Parce que je sais que quand j'augmente, ne serait-ce qu'un petit pourcent en moi, ça change tout. Ça change tout sur les autres, sur mes impacts, sur mes courses, ça change tout, tu vois. Donc, j'ai pas le choix de travailler sur ça et me donner à 100% à toutes mes séances, tous mes entraînements. Donc les entraînements que je vais faire dehors, c'est des entraînements où je vais me donner à 100%. De tout ce qui est agilité, tout ce qui est sprint, je vais me donner à 100%. Et comme ça va me forcer à, même les entraînements footuess basiques, à me donner à 100%. Parce que c'est important. Si je monte pas que j'en veux, je jouerai jamais. Et c'est pas ce que je veux, vraiment. J'ai dit j'étais le meilleur running back, c'est vrai. Maintenant faut le montrer. Sinon ça rentre dans des vidéos où tu parles, tu vois. Vraiment.
faut que je le montre. D'ailleurs, j'essaierai de convaincre le club, l'équipe, de faire des vlogs, des immersions, des séances où on parle, où on rigole, tu vois. Parce que je sais que ça peut faire plaisir de voir la nouveauté sur la chaîne, de voir un club de foot US, de voir des trucs cool. Mais il faut que je convainc le club, parce que le club, voilà, c'est un peu compliqué. Donc on verra ce que je peux faire. D'ailleurs, j'espère que ce format de vidéo, tu as kiffé. Petit entraînement cool. Hein. On va essayer de se faire mal quand même. Mais petit entraînement cool. Je sais pas, j'ai fait combien d'évasions latérales. Mais je commence à être chaud. C'est très très bien. On va enlever le haut. Ok. Parfait. Développé militaire aux haltères. Pas exogène. Je préfère le faire à la barre. Mais là, on va reprendre les haltères. On va voir si on peut remettre lourd. On va se retirer normal. Pas de double contraction. On va voir ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça va, on est bien. On a pris 18 kilos. On va monter, hein. On va monter. Que des 10 reps. 26 kilos. 26 kilos. Là, on commence à être dans le très lourd pour les épaules. Très, très lourd. Pour moi. Déjà 18 kilos, c'est déjà lourd. Là, on rentre dans le très lourd. On va essayer de faire 10 reps. Normalement, elle passe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai aucune idée de mon mouvement, s'il est propre, s'il est complet ou pas. Mais on va essayer de monter. Je commence à avoir un peu mal à l'épaule, mais là, c'est une douleur plus musculaire que articulaire. Donc, je peux monter. Si je sens une douleur articulaire osseuse, j'arrête. Mais 26 kilos, pour l'instant, on est bien. On va voir ça. J'ai ramené 32 kilos. 32 kilos, c'est les séries que je faisais avant quand j'étais en forme. Vraiment. Plus 30 que 32 kilos. Mais j'étais entre 30 et 40 pour des séries en pleine forme. 44 assistés. Mais là, on commence à rentrer dans le lourd. Franchement, ça fait du bien de refaire du développé couché militaire aux haltères. Même si que je préfère le faire à la barre, aux haltères, ce qui est bien, c'est que tu as une meilleure position. Tu vois, tu peux vraiment être parallèle. La barre, tu seras obligé d'avancer un tout petit peu tes épaules. Ce qui fait que tu vas un peu plus taper sur l'avant des épaules que la partie latérale, tu vois. Mais développé militaire aux haltères, franchement, c'est incroyable. Si tu n'as aucune douleur et que tu peux le faire, fais-le. Franchement, au niveau ressenti, on va pas se mentir. Je pense qu'en général, c'est meilleur aux haltères qu'à la barre. Mais moi, je préfère à la barre. J'ai moins de douleur. Allez, 32. Par contre, là, je pense que tu as vu le mouvement de genoux que je fais pour les porter. C'est le plus important, tu vois. Parce que si tu te foires, je peux te blesser juste comme ça. Donc tu mets ton meilleur coup de genou à droite et à gauche. À droite et à gauche. Stabilise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Ah, ça fait mal. Je pense que je peux être un peu plus haut. Mais 32, ça fait mal. Ça fait mal.
ça fait mal. J'ai envie de me challenger un peu. À 36 et tout, mais là, je reprends, là. Je reprends. Vas-y, on va essayer 36. Non, moi, ça va passer. On va essayer. L'une des raisons qui m'empêche aussi de me donner à fond dans le foot US, à mes entraînements, c'est aussi la peur de me blesser, tu vois. J'ai vraiment peur de me blesser. J'ai peur de me faire mal. Pas me blesser au niveau peur des contacts. J'ai peur des gens. Mais plus de me blesser au genou, ou de vouloir courir vite et je me fais un blocage. Au niveau du genou, au niveau de l'adducteur, au niveau du fessier, avoir une crampe. Parce que toutes ces blessures-là, je les ai déjà eues au foot. Normal, tu vois. Au foot, parfois, en voulant faire des grandes accélérations, des grandes vitesses, j'ai déjà eu des crampes. Des crampes au quadriceps, en plein match, des crampes au fessier. Les adducteurs, c'est le pire parce que dès que tu te blesses l'adducteur, tu sais que pendant plusieurs mois, c'est terminé. Et ça, c'est en voulant me donner à 100% à chaque fois, tu vois. En voulant me donner à 100% et peut-être avec un échauffement qui est mauvais, et ben le fait d'activer son corps d'un coup, tu vois, tu peux te blesser. Et ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de niquer ma saison parce que je voulais me donner à 100%, tu vois. Mais faut que je me dise que j'ai pas le choix. Parce que si je me donne pas à 100%, on va pas savoir que je suis bon, tu vois. On va juste voir un mec qui a un bon physique, qui peut avoir un potentiel, mais qui se donne pas à fond parce qu'il a pas envie, tu vois. Et moi, je vais lui montrer ça. Donc, je vais devoir faire les choses bien, je vais devoir me faire mal, je vais devoir oser me donner à fond, aller au bout. C'est comme là, tu vois, j'ai ramené 36 kilos, je sais que ça va être dur, mais je peux le faire, tu vois. Donc, je vais me forcer, même en muscu, même ici, à aller un peu plus haut de mes capacités, à pas rester dans ma zone de confort et pousser et me faire mal. Si je me blesse, je me blesse. De toute façon, je me suis bien chauffé. Donc, si je me blesse, je me blesse. C'est pas grave. Mais je vais apprendre à aller au bout de mes limites et faire les choses bien. Parce que c'est important. En tout cas, les 36 sont là. On va les tenter. De toute façon, ça va être les dernières. Après, on va voir ce qu'on va attaquer. 36 kills. Normalement, on les soulève. Normalement, on fait ça bien. Allez. Ouais. 36. Là, on arrive dans le super lourd, tu vois. On arrive dans les charges. Faut vraiment faire attention. Normalement, faut être assisté normalement. Mais sur le terrain, je serai tout seul. C'est moi qui vais prendre la place des gens. Personne ne va m'aider à prendre la place des gens sur le terrain. Et encore, je vais prendre la place des gens, mais je vais prendre ma véritable place sur le terrain. Allez. Six, sept, huit, neuf, dix. Oh. Et si je prends les 40, je peux les prendre les 40, mais 36 déjà, ça fait super mal. 40, c'est que je peux les prendre. Oh. Je sais qu'avec de la musique, les 40, je te soulève. Je le sais. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer pour la simple bonne raison que je sens mon corps capable de le faire. Il y a les 38 kilos, je les vois là. Mais pour passer de 36 à 38, c'est pas intéressant. C'est comme si que je faisais la même chose. Mais de 36 à 40, là, ça peut être bien. Là, ça peut être intéressant. Donc, on va prendre les 40, vas-y. 40, et là, c'est vraiment la dernière pour de vrai. Bon, avant de prendre les 40, vu que quelqu'un les utilise,
On va se reposer un peu. Là, mes épaules, elles sont congestionnées, là. Je le vois, c'est incroyable. De bas, j'ai congestionné. Pas comme ça. Mais ça fait du bien de les voir comme ça. Franchement, ça fait du bien. Parfois, faire des séances où tu oses mettre lourd, tu oses te faire mal, c'est important, vraiment. Par contre, c'est important aussi pour le dire. Des séances où tu te fais mal comme ça, tu peux pas en faire tout le temps. Tu pourras peut-être en faire maximum, peut-être 3 fois dans la semaine ou 2 fois. Mais après, ça va être des séances moyennes, des séances normales. Tu alternes entre le léger et le moyen. Mais soulever lourd, naturellement, à chaque fois, tout le temps, si on se complète tous les exos, c'est mort. Même là, tu vois, là, je soulève lourd au début. Il se trouve que pour les bras, après, je pourrais même pas mettre lourd, tu vois. Mais c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Oh. Mais, les gars, je cache pas comment j'ai envie de vous faire des contenus foutus avec des membres de l'équipe et tout. J'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie d'apporter une diversité dans les contenus. D'ailleurs, je sais pas si la qualité se voit, mais j'ai changé de caméra. Là, encore. Là, on est à ma 7e caméra, je crois. Histoire de faire un peu plus de qualité, plus de contenu, être à l'aise et aussi faire des projets professionnels intéressants et importants avec. Mais en tout cas, là, comme j'ai dit, il y aura beaucoup d'immersion, il y aura beaucoup de qualité. On va faire les choses bien, vraiment. Mais faire du contenu avec, avec le club, il faut juste que je parle bien avec le coach, que je parle bien avec le staff, qu'on voit comment on peut faire. Que aussi, moi derrière, je m'entraîne, je peux être bien. Et puis voilà. Je sais que ma place de titulaire indiscutable, elle est en jeu. Je vais la récupérer, je vais la prendre, et après je pourrai m'amuser, tu vois. Parce que je sais que je m'entraîne plus que n'importe qui. Personne dans le club peut venir me voir, mettre une main sur mon épaule en me disant « Dames, je m'entraîne plus que toi. » Personne peut me dire ça. Maintenant, il faut que les entraînements se voient sur le terrain. Une fois que ça va se voir sur le terrain, genre ma place, là, je pourrais imposer mes choix de contenu. Et ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Ah, merci, mec. Merci, merci. 40 kills. Pour faire ça bien. Bien vu. Allez, nickel. Merci. 40 kills. Normalement, ça va bien se passer. Et là, c'est la dernière pour de vrai. 40 kills, c'est des charges pour les pecs de base. C'est pas pour les épaules. Pour les épaules, c'est vraiment compliqué. C'est qu'il y en a, ils font des 50-60, mais ces gens-là, c'est déchargé. Ma limite, c'est 44 assistés. 40, ça fait des années. Là, c'est vraiment des années que j'ai pas soulevé ça. Mais je me suis assez reposé. On va reculer la caméra et on va tenter ces 40. Je sais que si je mets mon casque avec de la musique, ça va être trop facile pour moi. Je sais que je vais réussir à les soulever. Mais là, on va le faire sans musique. 44, je sais que j'étais assisté avec musique. Là, sans assistance, sans musique. Juste moi, ma motivation, ma haine, ma rage et ma détermination. 40 kilos, c'est pas rien. C'est super lourd. C'est super lourd. Il y en a, ils n'arrivent même pas à soulever ça pour leur pec. Tu vois? C'est super lourd. Concentré, focus, fais ça bien. Allez. Ouais, come on. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. S'arrête à 8 parce que mon corps glisse vers l'avant et je me cambre un peu vers l'arrière, mais sinon on a réussi au moins 8 reps. Oh. Non, c'est bien, c'est bien, c'est très très bien. Allez,
Je suis fier de moi, vraiment. Que tu squeezes l'épaule. Ce sont des bonnes épaules. Je me vois pas au miroir, mais je sens que mes épaules, elles sont bien. Je sens vraiment que je suis bien. Faire un peu d'élévation latérale. On a repris les 6 kilos. Buste penché. Élévation latérale. Histoire d'être bien. Avoir notre congestion. Et finaliser nos épaules. Je mets pas trop lourd normalement pour mes sens épaules. Pas avoir peur de me blesser. Mais là, je cache pas, ça m'a redonné envie de mettre du lourd. Là, je compte pas m'essayer, c'est léger. Jusqu'à j'en peux plus, jusqu'à l'échec. Sans d'être bien. Allez. Oh. Allez, je peux en faire encore. Comment? C'est rien. T'as connu pire. T'as connu pire. T'as connu pire. Allez. Ok. Là, je sens que je suis bien. Je sens que niveau épaule, on est bien. Oh. On peut massacrer nos bras maintenant, comme il se doit. Là, on a mis 2 poids de 20 sur une barre Z. Faire du curl biceps. Je rappelle, la barre Z, meilleure barre pour faire des curls. En plus, ce qui est bien, c'est que dans le Basic Fit où je suis, il y a la vraie barre Z. Parce qu'en fait, il y a des barres Z où l'incurvé, il n'est pas bien incurvé. Là, l'incurvé, il est bien incurvé. Donc, on va se faire 10 reps tranquillement. En prise largeur des épaules. Parce que prise serrée, ça va faire trop mal. Et puis, c'est parti. Oh. Par contre, c'est lourd. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Franchement, ça fait mal. Ah, ça fait vraiment mal. Barre Z, lourd. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Incroyable. On va essayer de se faire 4 séries tranquillement avec cette charge. Par contre, là, mon temps de repos, il est archi long. Je suis au deuxième exercice. Concrètement, je suis déjà KO. Le temps de repos, il est long. Mais quand tu prends des charges lourdes, tu peux pas faire du 1 minute, 1 minute 30. C'est très très dur. Tu vois, c'est très très dur. On va repartir bientôt là. Juste changer d'objectif. Prendre un objectif un peu plus large pour la caméra et puis on va repartir tranquillement. Deuxième, on fait ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, quand je pose la barre, je la lâche pas d'un coup. Je pose la barre, je la serre encore fort et j'attends que la pression elle arrête d'être exercée. Je sais pas comment te dire, mais tu vois, quand tu soulèves lourd et tu poses la barre et tu lâches, ça te fait une pression sur les poignets bizarre et pas agréable. Or que quand tu gardes ta barre, tu la lâches, tu la poses, t'attends un peu, la pression elle se retire. Et j'ai l'impression que tu te blesses moins. C'est une impression, moi ça me fait du bien. En tout cas, lâche pas ta barre comme ça directement. Pose-la, garde-la un peu et relâche les mains. Ça fait du bien. Il m'en reste 2. 2 et je suis bien. Vraiment. Là, je sens que ça va, on est bien. Il y a une petite congestion agréable. Ça fait du bien. Là, tu vois, pour le foot US, j'ai plus d'excuses. Mes genoux, ils me font plus mal.
il y a une appréhension psychologique qui fait que je peux me blesser, je peux me faire mal, mais mes genoux me font plus mal. Donc normalement, en vrai de vrai, je peux me donner à fond. Et je peux prendre ma place, clairement, je peux prendre ma place. Je sais qu'on veut me changer de poste, on veut me mettre dans des équipes spéciales et tout. Special team, c'est bien. Parce que, grosso modo, dans les équipes de footchess, il y a des équipes spéciales pour des situations spéciales en match. Et moi, je fais partie de certaines équipes spéciales. C'est bien, mais moi, c'est pas ce que je veux. Enfin, c'est pas seulement ça que je veux, tu vois. Et je vais aller chercher ce qui me revient de droit, parce que c'est important. Petit rappel, je suis pas comme les autres. Je m'entraîne plus. Et je sais ce que je vaux. C'est important. Même si que je dénigre pas les autres, c'est important. C'est juste que moi, je sais. Je sais que je suis bon. Je sais que je suis excellent. Allez, on y va. 10. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. C'est rien. 6. 7. 8, 9, 10. Oh. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est bon, c'est très très bon. Il manque une dernière. Une dernière, on est bon. Dernière, la congestion, elle est là. Elle est bien. Et après, peut-être tu vas faire du marteau. Franchement, ça me fait bizarre, hein, parce que de base, pour les bras, je fais plus autant de séries qu'avant. Je fais normalement, je fais un exercice, deux, après c'est bon, tu vois. Mais là, mettre aussi lourd comme avant, franchement, ça me fait du bien, ça m'appelle des bons souvenirs. Et là, mon endurance musculaire au niveau des bras, elle commence à revenir, parce que je sais que là, je peux repartir tout de suite. Mais on va se reposer, parce que la séance, elle n'est pas finie, on a encore des trucs à faire. Sachant que je voulais te faire de la poulie et tout, biceps à la poulie, mais il y a du monde, je vais déranger des gens, et c'est pas grave, on va changer par autre chose, avec Alter, mais qui sera efficace et qui va faire mal, plus mal que la poulie. Oh. Mais ouais, il en reste une dernière, faire ça bien, faire ça bien. On va faire ça bien. Mais ouais, les gars, si vous faites un sport, ou n'importe quoi, hein. Soyez optimiste, soyez pas prétentieux, mais croyez en vous. Si tu penses que t'as ta place, tu penses que t'es fort, tu penses que t'es bon, et ben pense-le et dis-le, haut et fort. Je sais que j'aime pas les gens qui sont prétentieux de fou, qui disent « ouais, moi, voilà ». Mais si au fond de toi tu le sais, dis-le, dis-le. Au fond de toi, tu sais que t'es fort. Au fond de toi, tu sais que tu vas tout tuer. Tu sais que tu vas faire les choses bien. Dis-le. Dis-le. Et prouve-le sur le terrain. C'est important. Parce que, en fait, il vaut mieux se conditionner à être fort. Il vaut mieux se conditionner à être le meilleur que se conditionner à dire, finalement, je suis pas fort. Finalement, je suis nul. Finalement, si, finalement, ça. Lui, il est plus fort que moi. Je peux rien faire. Tu vois? Il vaut mieux se conditionner à être fort. Par contre, si tu sens que vraiment, tu n'es pas fort, il faut le reconnaître. Exemple, moi, mes premiers entraînements, je sous-estimais tout le monde au footchess. Je sous-estimais tout le monde, mais là, maintenant, je mets tout le monde au même niveau. Tout le monde est fort. Et je suis même encore plus vicieux. Je me dis, ces gens-là sont plus forts que moi, donc je vais me donner à 100%. Comme ça, je me conditionne à me donner à 100%. Moi, dans la tête, je me dis, ils sont plus forts que moi. Du coup, je vais me donner à fond, même si qu'au fond de moi, je sais très bien. Mais psychologiquement, je me dis ça pour me donner à fond, parce que c'est important. Bon, je devais envoyer ma dernière série, mais la caméra s'est coupée malheureusement par surchauffe. Comme j'ai eu la bonne idée de mettre une cage sur le ventilateur de la caméra, elle s'est coupée. Mais là, c'est bon, j'essaie de refroidir, on va prendre ça à la dernière série tranquillement. Normalement, j'ai beaucoup plus d'énergie parce que j'ai bien récupéré. La congestion, elle est un peu partie, mais c'est pas grave. On va faire ça bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, ok. Oh.
Au moins, on est bon pour ça. On a pu faire nos 4 séries tranquillement, 10 reps. On va voir si on peut balancer du curl en prise neutre aux haltères. On va voir ça. J'ai pris les 14 kilos. J'ai pas pris très lourd pour faire mon curl neutre. Parce que, mec, les poids, ils sont tout là-bas. Tu vois, ils sont tout au fond. Donc, marcher avec les haltères, déjà, c'est fatigant. Mais si je prenais les 20 et tout, non, c'est mort. J'allais pas assumer. Donc, j'ai pris les 14. Mais pour augmenter la difficulté, je vais tenir 2 secondes. OK? Comme ça, on va faire notre curl, prise neutre, 2 secondes de contraction pour être bien et se faire mal. On va faire entre 8 et 10 répétitions. Allez. Une, OK. Une. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Cinq, allez. Six. Six. Sept. Sept. Huit. Huit. Neuf. Neuf. Dix. Dix. Vu que c'est facile, on va envoyer du rep derrière. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ah ouais, là, c'est bon. Ah, ça fait mal. Ah. Ouais, là, c'est bon. C'est le bon poids. Ça fait mal. On va faire ça 4 fois. Ah, c'est incroyable. Là, tu vois, foutu, c'est un truc qui m'énerve, mais qui me fait du bien aussi. C'est qu'il y a un des coachs. Je l'aime pas, hein. Je l'aime pas du tout. Il aime bien me sortir, tu vois. Parce que, genre, je cours pas assez vite et tout ça, là. On fait des exos. On doit courir ensemble. Je cours à la même vitesse que tout le monde. Mais lui, il n'est pas content, tu vois. Sachant que je suis très lourd. Je fais partie des plus gros gabarits. Les gens qui ont mon poids, en général, ils sont bloqueurs. Moi, je suis coureur. Et il n'est pas content. Du coup, il me fait sortir beaucoup, tu vois. Moi, ça me fait du bien parce que mon ego, il est touché, tu vois. Ce qui fait que chaque entraînement, je suis encore plus fort. Je suis encore plus déterminé. J'ai encore plus le seum. J'ai encore plus la haine. Et je me donne encore plus à fond, tu vois. Et j'ai vraiment envie de te filmer ça. J'ai vraiment envie de filmer pour voir comment je cours par rapport aux autres. Parce que je me focalise beaucoup sur les autres et pas assez sur moi. Mais j'ai envie de comparer pour voir d'un œil extérieur comment moi je me vois par rapport aux autres. Parce que je me suis toujours filmé, que c'est en musculation dans ce que je fais, pour m'améliorer. Et foutu est, si je me vois pas courir, je pourrais pas m'améliorer en vitesse. Allez, on repart. Une, deux, ok. Une, deux, une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Quand je bloque comme ça, je contracte mes biceps. Six. Je bloque pas juste pour bloquer, je contracte. Sept. Ça fait encore plus mal. Huit. Neuf. 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Ça fait mal, ça fait vraiment mal, c'est incroyable, ça fait trop mal. Troisième série, allez, c'est parti. 1. 2.
3, allez. 4, allez. 5. 6. 7, j'ai envie de m'arrêter à 8. Mais je peux m'arrêter à 8. 8, allez. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oh. Oh. Franchement, oh, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il en reste une dernière, on va assumer. On va assumer comme il se doit. Sauf toi, je me suis pas entraîné comme ça. Ça fait très longtemps. Je me suis pas fait autant mal. Je me suis pas challengé comme ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, ma playlist, je l'ai appelée Roi de tout pro pour le foot américain. Je compte pas devenir un joueur de la NFL ou un joueur de la CFL ou un joueur qui joue en Europe. Je veux juste devenir fort, c'est tout. Je m'en fous de jouer dans des ligues, dans des trucs comme ça. Je pense que j'ai plus l'âge. Voilà, j'arrive à 27 ans. Je pense que c'est un peu tard pour percer dans ce sport. Mais je veux juste être fort, juste être bon. Juste être un sportif une dernière fois, tu vois. Un sportif en club une dernière fois. Parce que, en fait, là, je me lance des défis au niveau sport. Que je sais pas si l'année prochaine je vais recontinuer le foot US ou faire un autre club, tu vois, enfin faire un autre club, faire un autre sport, pardon. Mais j'ai juste cette force. Si vraiment je prends goût et tout, ouais, je vais revenir. Mais si je pense que c'est bon, j'ai fait mon temps, je sais que voilà, je changeais de sport. Après, je sais que mon ego fait que si je fais une saison où je suis éclaté du début à la fin, je vais me réinscrire. Parce que c'est pas comme ça. Le foot, j'ai fait mon temps. Le foot, j'étais... En fait, le foot, si tu veux, j'étais éclaté pendant des années au foot. J'ai changé de poste. Je suis devenu fort, vraiment fort, dans des équipes premières. Et après, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, c'est bon. J'ai eu ce que je voulais. Jouer dans les premières équipes, devant tout le monde, avec les meilleurs. En fait, moi, j'ai eu savoir ce que je veux. Et après, c'est bon. Soit je continue, soit j'arrête. Mais le côté de faire du sport en club, se motiver ensemble et tout, ça me manque. Ça me manque vraiment. Et je sais que le fait d'être dans les personnes où on ne croit pas, les personnes qu'on met de côté, ça m'aide à devenir plus fort. Et une fois que je suis dedans, une fois que je suis dans les plus forts, voire le plus fort, là, je me dis, c'est bon. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais... mon but, c'est vraiment de rester dans un club si possible et de donner tout mon possible et de vieillir bien en faisant du sport, vraiment. On va repartir, dernière, faire ça bien. Allez, oh. C'est parti. 1, 2. 3, allez. 4, ouais. 5. 6, allez. 7. 8. 9. 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Oh, franchement, ça fait archi mal. Ça fait vraiment mal. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment ça fait mal. Mais c'est ça qui est bon. Là, on a fait 4 fois 10 tranquillement. Je voulais m'arrêter là, mais
j'ai encore fait un exobras, un exo qui fait mal. On va prendre des haltères beaucoup plus légers. Et on va faire de la prise supination tranquillement, en serré. Histoire de bien se détruire, bien se faire mal et faire une bonne séance biceps. Parce qu'aujourd'hui, j'aime me détruire les biceps comme il se doit. C'est important. On est dimanche. On va commencer le lundi avec des courbatures au bras. Ça va être génial. Bon, je vais faire du curl supination prise serrée. Mais je me suis dit pourquoi pas le faire juste assis. Prise plus large que les épaules. Parce que ça fait du bien aussi. Sachant que je bosse plus autant qu'avant le curl en prise large. Ça va faire du bien. On va en faire 12. Il y a 10 kilos, ça va, c'est pas très loin. Mais 12 reps, ça va faire du bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ça va. Je vais essayer aussi un autre truc. Mais si je le fais, faut que je le fasse avant ce curl-là. C'est le curl comme ça, là. Je sais plus comment il s'appelle. J'aimais pas trop le faire avant, même maintenant. Mais c'est un exercice qui... C'est un exercice d'ancien. En fait, les nouveaux, ils font plus ça. Les anciens, ils faisaient beaucoup. Les nouveaux, ils font plus. Mais ça reste pas mal. On va le faire. Et c'est ce qu'il a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il fait mal quand même. 8, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est bon, suffisant. Il fait bien mal. La contraction, elle est bien. Mais on va faire ça. On va commencer par ça. On va en faire 10. Même si 8, ça me fait mal, on va en faire 10. Et ensuite, double curl. 12. 10, 12. Et ça se peut que j'aurais tellement mal que je vais faire 10-10. Mais comme j'ai dit 10-12, je vais faire 10-12. Nouvelle résolution, quand on dit on assume, même si on a trop mal, on assume quand même. Et si vraiment c'est pas possible, je vais baisser. Mais ça fait vraiment longtemps que je me suis pas vu conditionner comme ça. Là, je sais pas si on le voit de face. Mais ça fait longtemps que je me suis vraiment pas vu comme ça. Vraiment pas vu plein au niveau des bras. Je sais que j'ai des bons bras. Je les conditionne pas tout le temps, mais ça fait vraiment longtemps que je me suis pas vu comme ça. Ça fait du bien, vraiment. Deuxième. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Je tape le micro deux fois, faut que je fasse attention. Allez. 1, 2, 3, 4. Le gauche est plus faible. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Très longtemps que j'ai pas ressenti un bras faible dans un exo. Mais vraiment très très longtemps. Ça remonte à quand je débutais la muscu. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ok. Très bien. Wow. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal pour de vrai. Ça fait du mal de massacrer ses bras comme avant.
ça fait vraiment du bien. Je suis plus habitué, plus trop habitué, mais ça fait du bien. Se faire mal au bras, faire une bonne séance, aller chercher la douleur, avoir mal, récupérer pas énormément, repartir au combat. Franchement, il faut que je mette des sens comme ça, des sens où je me challenge, je me fais mal. Comme par exemple là, tu vois, pour double cœur, on en a 10. Je vais monter, je crois que je vais mettre 14. 14, je vais mourir, mais je vais le mettre quand même, c'est pas grave. On est là pour se faire mal jusqu'au bout, parce que c'est important. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Normalement, ça va le faire. On va essayer de faire 12 reps. Si je peux pas, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Je voulais m'arrêter à 10, vraiment. Mais 12, je suis parti le chercher. Je suis vraiment parti les chercher, pour de vrai. Oh. J'ai mal. Mais ça qui fait du bien. C'est ça qui fait du bien. J'aime pas les plans de face comme ça. J'aime pas du tout. Ça donne une perspective bizarre. Mais bon, là on va essayer tous les styles de plans. On a une nouvelle caméra. On fait ça bien. Je regarde comment la caméra se comporte. Et puis voilà. Je te cache pas, là je suis à moins d'une minute de temps de repos, mais j'ai déjà envie de repartir, parce qu'en fait mon corps, si tu veux, il est comme ça. Quand la séance elle est lancée, bah mon corps a envie de repartir vite. C'est mon endurance musculaire qui est incroyable. Dès que je suis lancé, je m'arrête plus, les temps de repos sont de plus en plus courts et j'ai envie d'enchaîner toujours. Donc là c'est parti, on va faire ça bien. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, j'ai pris un pré-workout aussi. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Et derrière, 12 reps. 1, 2, 3, 4, 5, c'est rien, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, oh. 12, c'est presque mon échec, vraiment, parce qu'à partir de 9, je fais des demi-reps. En tout cas, je suis bien, je me sens bien, j'ai une bonne congestion. Oh. Je vais voir si je fais encore un exo ou pas. Pas un exo bras, mais plus un exo cardio, je sais pas. La core battle rope, je vais voir ça. Là, je suis bien. Je suis KO pour de vrai, vraiment. Ah les gars, vraiment, là, on est sur une machine nulle qui sert à rien, vraiment. Je la fais parce que après je vais faire du curl biceps à la poulie, barre droite ou barre incurvée. On verra ce qui est disponible. Mais ça, c'est une machine que j'aime pas du tout. On va la faire en attendant.
On va faire 10. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu me verras rarement faire des séances sur des machines guidées, même pour les personnes que je suis en coaching à distance. Je leur fais pas faire ces conneries-là. Franchement, si je te fais faire un truc comme ça, c'est vraiment que... Vas-y, je t'aime pas et je prends pas en considération ton évolution. Ça, vas-y, ça peut être bien en fin de séance et tout. Si tu veux tester des machines, tu veux rigoler un peu. Mais quand tu veux construire du muscle, ça, c'est pas ce qu'il faut. Vraiment, c'est pas ce qu'il faut. J'ai mis 30 kilos et avait 20 kilos tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, même si c'est dur, je sais pas, je sens pas un réel travail. Après, ce qui est intéressant, c'est de mettre des charges légères, bosser en unilatéral et faire des mouvements complets. Mais même comme ça, je préfère le curl aux haltères. C'est mieux, tu vois. Là, je sais pas comment t'expliquer. C'est une machine qui est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Bon, la police est libérée, je vais la prendre. Bon. Curl. Avec la barre un peu incurvée. Pouli. Un des meilleurs exercices pour les biceps. On va faire direct tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Ok, ça va, on est bien. On va monter parce que là, on a mis 15 kilos, c'est rien. On va monter. Allez, 20 kilos. Là, ça commence à être bon, sachant que la machine, elle va jusqu'à 25. Pas très lourd cette poulie, mais on va continuer à faire les choses bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on va mettre le max, hein, 25, c'est pas grave. C'est léger, mais... en fin de séance, dans tous les cas, je peux pas mettre très très lourd. Mais le cœur, la poulie, je le fais pas beaucoup parce qu'en général, quand je vais à la salle, il y a trop de gens sur les poulies. Mais si tu peux le faire, fais-le. C'est un très bon exercice biceps où tu as une tension du début à la fin. Et c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Allez, on va repartir. Parce que c'est pas très lourd, on a tout dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La barre elle glisse, c'est relou, c'est vraiment relou. C'est incroyable. Bon, là j'ai mis mon casque. On va essayer de faire 100 reps tranquillement. Quand je fais mon 20 répétitions à chaque fois, ça va être mon finisher ultime, ça va me faire mal, mais on va faire ça bien. Allez. Kilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2,5 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14, 15, 16, 17, allez, 18, 19, 20, 10 kilos. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, oh. Allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il en manque 20. 7,5 kg. Non, pas mon complète. 15 kg. Faire des pauses. Faire des pauses, c'est trop lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Oh. Allez, comment ? Sans rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 5 fois 20 répétitions. 100 reps. Meilleur finisher. Là, je transpire des bras. C'est incroyable. Pour ça, j'ai besoin de musique. Mais ça fait super mal. Vraiment, ça fait super mal. C'est incroyable. En tout cas, la science, elle est validée. Si tu veux plus de science comme ça, dis-le dans les commentaires, mettez j'aime, c'est important. Oh, je pense que je ferai beaucoup de science en immersion comme ça, même dehors, en extérieur, pour donner une bonne immersion et du changement à cette chaîne. Ouh. On va se finir avec un peu de vélo, tranquillement. Parce que c'est important. Je pense que je vais faire 10-15 minutes, pas plus, à l'heure tranquille, histoire de dépenser un peu plus de calories et de terminer ma séance. En tout cas, ouais, hein, mets un petit j'aime, un commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est important. Hein. Objectif 50 000 abonnés pour la fin de l'année. Je sais que c'est un gros objectif, mais c'est possible. Il y en a, ils ont fait 10 000 abonnés, après ils ont fait 100 000 d'un coup. Moi, si je peux faire 50, c'est bien. C'est vraiment bien. Et si on fait pas 50, on va tout faire pour s'en approcher et se donner à fond, parce que c'est important. Oh. Mais ouais, ça change des contenus comme ça, immersifs, où je m'entraîne, je me donne à fond, je parle un peu. Franchement, c'est lourd. Sachant qu'avec la nouvelle caméra, là, je suis tranquille. Je la prends, je la pose et c'est bon, j'appuie sur le bouton et je fais ce que j'ai à faire. Il n'y a plus de réglages à faire, plus de trucs où je prends mon temps et tout. Là, je fais tout rapidement. Franchement, je suis bien, je suis satisfait. J'espère qu'au niveau de la qualité aussi, ça se voit, ça se sent, tu vois. Parce que j'essaie de faire un truc quali. Essayer d'apporter en 4K et tout pour avoir un truc cool visuellement. Et puis voilà. Hein. En tout cas, merci pour toute la force. Merci pour le soutien que tu donnes. Franchement, ça me donne de la force, ça m'aide à aller plus loin. Là, regarde, je suis passé d'un mec qui a peur de poser son téléphone pour filmer à la salle à un mec qui vient avec sa caméra, un micro qui parle, même s'il y a, y a du monde autour. Je m'en fous, tu vois. On m'écoute, je m'en fous, je fais ce que j'ai à faire. Et ça, c'est en partie grâce à la motivation que tu m'apportes, aux personnes qui m'envoient des messages de soutien. Grâce à tout ça, bah, ça m'aide à me développer encore plus, devenir meilleur. Et si je peux te rendre l'appareil, moi je te rends l'appareil en te motivant à faire les choses comme je dois les faire. Ouh. En tout cas, je compte
remplir cette playlist Roi de Plus Pro. Parce que là, j'ai tout organisé en playlist, c'est bon. La playlist, je compte la remplir, je compte être transparent avec toi. Même si je te dis, que voilà, j'ai fait du foot US. Je me suis fait sortir du terrain parce que je suis nul, on m'a dit que je suis nul, je me sens nul. Je vais te le dire, si je te dis que je suis fort, c'est bon. Je vais te le dire, il n'y a pas de j'abandonne, il n'y a pas de truc comme ça. Si jamais j'abandonne, je vais te dire pourquoi. Peut-être parce que je suis trop nul, peut-être que voilà. Mais je pense pas que ça arrivera. Même si je me blesse, bah, je ferai en sorte de faire les choses bien. D'ailleurs, si je me blesse, je prendrai ma caméra et je ferai du contenu pour le club. Pour contribuer au club, faire des vlogs cool. Même si que, voilà, on me laisse pas ma chance et tout. Je paye une licence, je fais partie du club. Donc si je peux aider le club au mieux à se développer, ben, j'aiderai le club à se développer. Même si que je me souhaite pas une blessure, mais je me souhaite d'aller à fond. Je me souhaite faire les choses bien. Et je nous souhaite aussi à tous ceux qui regardent de zoner à fond dans leur objectif. Parce que c'est important. T'as un objectif, donne-toi à fond, bats-toi. C'est un objectif nul et tout, c'est pas grave. Bats-toi, fais les choses bien, avance. C'est important. Nous, on va se donner à fond. On va se donner à fond et j'espère que cette playlist va te motiver à te battre et à te donner à fond. Parce que c'est important. En tout cas, là je suis à 3 minutes 52. Je vais te dire, porte-toi bien. À la prochaine pour la suite et reste connecté parce que c'est important.